Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi je suis super content de vous retrouver, on a eu plein d'échanges, c'est génial. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que là ça monte en puissance. Alors, donc on m'a posé la question par email, à savoir c'était qu'est-ce que ça voulait dire Compromis Express TV. Bon, comment dire, donc alors pour ceux qui veulent aller dans l'immobilier, compromis c'est un avant-contrat, d'accord? Quand vous allez faire des ventes, vous allez faire un compromis de vente. Hein, donc, Compromis Express, ben voilà, c'est donc effectivement la chaîne YouTube TV, Compromis Express TV, qui vous apporte plein de conseils et d'astuces donc pour bien démarrer votre activité dans l'immobilier. Et c'est surtout un manuel maintenant que les gens connaissent, qui me suivent depuis un petit moment, un manuel qui s'appelle RSV, comment réaliser plus de 25 ventes par an, comment booster donc ses ventes immobilières et notamment ses compromis de vente, d'où Compromis Express. Compromis Express TV, hein, parce que bon, sur YouTube, c'est quand même un peu la télé. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai appelé donc Compromis Express TV, qui est une marque déposée en France. Voilà. Alors, Fabien de Bordeaux m'a posé la question. Donc c'est un agent mandataire dans un réseau immobilier. Il est moyennement content de son réseau immobilier parce que bon, il démarre, il n'a pas tous les outils qui lui sont fournis par rapport à ce qui lui avait été dit au départ. Ok, donc il est obligé de poser pas mal de questions. Je l'ai très régulièrement au téléphone et il a démarré il y a à peu près 2 mois. Voilà, hein, 2 mois. Bon, je ne peux pas trop citer le réseau. Il a un coach qui n'est pas, bon, qui est pas terrible, apparemment. C'est pas terrible, terrible. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très dynamique parce qu'il ne lui prend même pas les premiers rendez-vous mandat, prospection téléphonique et tout. Bon, voilà, c'est un peu galère. Bon. Alors, par contre, donc. Il m'a posé la question, à savoir s'il devait mettre, quand il rentre un mandat de vente, sur une maison ou un appartement, s'il devait apposer un panneau à vendre. Bah, moi, déjà, il faut poser la question au propriétaire, à savoir s'il est d'accord. Il faut regarder s'il y a déjà des panneaux des autres agences. Et puis, il ne faut pas mettre de panneaux. Voilà. Parce que de toute façon, si vous mettez un panneau, bon, bah, vous indiquez à la planète entière que... vous avez cet appartement à vendre. Alors, si vous êtes tout seul dessus, au moins là d'entrée de jeu, pour les professionnels de l'immobilier, c'est cool. Au moins, je sais que il y a cet appartement ou cette maison à vendre, donc je vais aller sonner. Voilà. Donc merci. L'agence immobilière Martin a donné l'information à l'agence immobilière Dupont. Ben, c'est cool. Donc non, évitez de mettre des panneaux à vendre. Déjà, je trouve ça kitsch. Je trouve ça plus. Enfin, je sais pas. Je trouve plus ça. Je trouve pas ça terrible. Moi, je trouve. Les panneaux à vendre, je trouve ça un peu désuet comme démarche. C'était bien à l'époque, mais bon, aujourd'hui c'est quand même c'est plus terrible. Les propriétaires veulent de moins en moins, hein, de toute façon. Ça c'est clair, puisque s'ils mandatent 3 agences, ils ne vont pas mettre 3 panneaux. Hein. Voilà. Et moi-même, quand je rentre un mandat, si vous voulez, et que je vois un panneau, bah, je l'enlève. Voilà. Si l'appartement, par exemple, ou la maison, elle est vide, et qu'il y a le panneau de l'autre agence, je l'enlève. Bref, vous faites attention de ne pas abîmer le panneau de votre concurrent, hein, mais vous l'enlevez et puis vous le mettez dans les toilettes ou dans la salle de bain ou dans le placard dans l'entrée, vous fermez la porte et puis ni vu ni connu parce qu'il n'y a pas de raison que l'autre agence elle mette son panneau et pas vous, si vous n'avez pas de panneau et puis même vous n'allez pas mettre de panneau. Donc vous voyez, on tourne en rond. Donc il faut évidemment préciser au propriétaire que vous souhaitez, vous ne mettez pas, vous lui indiquez que vous ne mettez pas de panneau parce que c'est pas terrible, ça dévalorise un petit peu le mandat de vente, enfin le bien en lui-même, voilà, vous lui expliquez un petit peu tout ça, et puis vous lui demandez gentiment d'enlever le panneau de l'autre agence. Voilà. En général, les gens, ils sont d'accord. Hein, quand vous lui expliquez correctement, en disant, voilà, c'est pas très joli le panneau hein, sur le muret à l'extérieur ou sur le balcon, bon, les gens, c'est vrai qu'ils se disent, bon, c'est pas, hein, il pleut, ceci, cela, ils sont vite dégueulasses, c'est pas terrible. Voilà, puis si bien sûr le bien immobilier est vide, ben là vous ne posez même pas la question. Vous enlevez le panneau et puis vous le rangez soigneusement. Voilà, hein, vous ne détruisez pas le panneau de votre concurrent. Il ne va pas être content. Hein. Donc voilà, non, ça c'est pas nécessaire. C'est vilain, c'est méchant. Donc ça, vous ne le faites pas. Voilà. Donc vous ne mettez pas de panneau à vendre. Par contre, à l'inverse, quand vous avez vendu, vous mettez un panneau vendu par. Et là, par contre, vous faites un joli panneau vendu par agence Martin Immobilier ou vendu par telle personne, Fabien de tel réseau,
avec votre téléphone portable. Voilà, parce que là, effectivement, c'est intéressant de montrer autour de vous, autour du bien, que vous avez vendu avec efficacité la maison ou l'appartement. Voilà. Donc ça, par contre, il faut évidemment négocier avec le propriétaire pour que, entre le compromis et l'acte authentique, à peu près 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça dépend de ce que vous avez vendu en fait, si vous voulez, simplement les caractéristiques du dossier. Là, vous lui demandez gentiment s'il est possible de mettre un panneau vendu par. En général, les gens acceptent parce qu'ils sont tout contents de montrer qu'ils ont vendu. Voilà. Donc, là, vous êtes sur un petit coup marketing qui est sympa de montrer que votre agence est performante ou votre réseau en indiquant aux gens qui le verraient tout simplement que vous avez vendu cette maison ou cet appartement à tel endroit. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Mais sinon, donc, vous oubliez les panneaux à vendre, hein, c'est pas la peine de donner des informations aux concurrents et encore moins aux particuliers qui se promènent et qui va voir le panneau et qui va s'empresser d'aller. Même s'il n'y a pas toutes les indications, parce que sur un panneau, on ne va pas mettre tout un texte d'annonce, hein, on est d'accord, ça va être à vendre, telle agence, tel numéro. Okay. Bon, voilà, enfin, dans tous les cas, il y a toujours des gens qui vont aller sonner pour aller prendre des renseignements, parce qu'ils sont en train de se balader avec la poussette, donc ils disent, tiens, il y a une maison à vendre, on ne sait jamais, bim, bam, boum, et voilà. Donc, vous oubliez les panneaux à vendre, ce n'est pas la peine de donner vos mandats, et puis par contre, quand vous avez vendu, vous mettez vendu par, voilà, tout simplement. Et quand il y a donc, pour récapituler, le panneau d'une ou d'autre agence, qui sont déjà apposés sur le balcon ou sur le muret de la maison, vous négociez avec le propriétaire pour bien sûr les retirer, puisque vous n'avez pas de panneau à vendre, vous trouvez pas ça très joli, et puis que comme il y a déjà 2 panneaux, on ne va pas en mettre un troisième. Donc, au lieu d'en mettre 3, autant en mettre 0. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez séduire le propriétaire pour les enlever, et en général, il sera complètement d'accord avec ça. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour la thématique. Donc, mettre un panneau à vendre ou mettre un panneau vendu par. Voilà. Hein, donc, je vous retrouve avec grand plaisir donc, sur les espaces sociaux Compromis Express TV sur YouTube. N'hésitez pas donc, à liker, partager les vidéos, mettre des commentaires si vous souhaitez, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas bien sûr à découvrir le site internet cefrancetv.fr où vous retrouverez donc l'intégralité des vidéos. Alors, il y a un petit décalage parce que des fois, on m'a dit, j'ai vu la vidéo sur Facebook, mais pas sur le site, etc. Oui, messieurs, dames, il y a un petit peu de décalage. Hein, puisque je passe beaucoup de temps avec vous pour vous coacher dans le cadre donc du démarrage de votre activité ou de votre repositionnement en tant qu'agence immobilière dans le cadre du coaching. Voilà, donc évidemment, il y a un petit décalage. Voilà, mais en tous les cas, entre la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit logo ici qui va s'afficher et bien sûr, vous posez vos questions par à compromisexpressfrance@gmail.com pour que je puisse vous y répondre dans les meilleurs délais. Voilà. Et pour finir, vous mettez bien toutes vos coordonnées lorsque vous envoyez un email pour que je puisse vous répondre avec précision. Voilà, puisque la transaction immobilière, c'est un métier où il faut être réactif et précis. Je vous souhaite à tous de très belles ventes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.